Oui, c'était. Le jeu vidéo, c'est une bonne activité, enfin une activité que j'aime faire. Enfin, jeu vidéo, c'est un échappatoire, une histoire en plus. Je m'appelle Joris Livrieri, 37 ans, j'habite en Ardèche et j'étais graphiste avant. Dans le milieu de l'art. J'en ai deux différents. Je me souviens que mes cousins, ils avaient la première Nintendo et ils jouaient à Mario, mais ils jouaient que tous les deux. Ça veut dire qu'ils voulaient jamais nous passer la manette. Je me souviens de ça. Et autrement, tout seul, Tortue Ninja. Sur pareil, ça devait être la Super NES. Je me souviens de ça. Qu'à la fin, c'était vraiment compliqué. Et je l'ai bien poncé aussi. Aujourd'hui, je joue essentiellement aux jeux de sport, FIFA et avant ça, PES. Oh, je dirais que j'y joue une dizaine de matchs par semaine à peu près. Alors, j'ai entendu parler parce que j'ai pas mal de mal à des problèmes cognitifs et physiques pour tenir la manette, savoir où j'en suis dans le jeu. Et du coup, via l'APF, mon éduc Ergo, elle a eu connaissance de cet événement. Et donc j'ai décidé de participer et oui, moi essentiellement rencontrer d'autres personnes qui peuvent avoir des problèmes ou des astuces. Voilà, passer un bon moment. Il faut être conscient de ses difficultés. Mais si ça, il faut que ça reste un jeu. C'est un jeu vidéo, donc il faut passer un bon moment. Voilà. Je suis compétiteur. J'aime les défis, j'aime gagner. J'accepte de perdre. Je crois que je suis bon gagnant, bon perdant. Enfin, bonne chance à tous, en tout cas.